Regardez, on est là sur Red Dead, on est en train, on est avec Prosper, on vient juste de se rejoindre. L'objectif de ce soir, ça va être d'une, se faire des sous avec ce qu'on a récolté de la chasse de la dernière fois que je mettrai peut-être en condensé en ligne avant, on verra. Mais sinon, bah, on a fait une chasse au légendaire, comme on dit, et on a récolté des trucs, faut qu'on se fasse payer maintenant. Et deuxième objectif, trouver un cadeau pour... la petite Pearl qui fête son anniversaire ce soir. J'ai envoyé télégramme à Pearl, tiens. Bonjour tout le monde. Je. Ouh. Joyeux anniversaire. Alors, FQ256. Tu es là. Apparemment, vous êtes sur Zandy. Ah oui, tout à fait, oui. C'est vous, ça. C'est incroyable. J'envoie juste un télégramme et j'arrive. Allez-y, allez-y. 6, 3, 5. Bonjour, petite peur. Tenez à te souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, il faut fêter ça, tout simplement. Alors, préviens-moi quand tu es dans le coin. Pas quel âge tu as, mais je pense que tu as projeté de la majorité, alors il faut fêter ça. Ok. Let's go. C'est bon. J'ai pas vu si tu m'avais répondu. Ah, il m'a répondu. Bah, je suis dans le coin. Ah. Attends, je vais répondre à Prosper quand même. Hop là. Voilà. Parfait. Oh. Ah. N'ayez pas peur, madame. Bon. Bah, je pense qu'il a eu un mal de tête, bijou. Je. Bon, bah, on va rester dans le coin, hein. Je pense qu'il va, revenir de son mal de tête, Prosper, et puis... Alors, je vais regarder sur la map. Où est-ce qu'il y a un magasin, un General Store? Il n'y a pas de General Store ici. Ah, il y a... Après, il y a le marché. Je vais aller voir au marché si on peut trouver des trucs intéressants. Chia. Ça va mieux? Bah oui, balle de tête. Oui, j'ai cru comprendre. Du coup, je me suis dit bon. C'est pas la journée. C'est vrai? Là, j'ai eu des problèmes avec mes yeux et tout. Oh! Ça va mieux aujourd'hui? T'as mis tes lunettes?
Ouais, mais c'est pas les bonnes lunettes apparemment. C'est très compliqué de configurer des lunettes. Ah. Je te vois très bizarre sur ton cheval. Ah. C'est peut-être moi qui vais aller me reposer. Genre bizarre comment, attendez. Ah bah là ça va. Là ça va. Et là. Et là, bon bah je vois... disons que... Donc je te vois pas bien monter dessus. Ah. Attendez, on va faire un truc. Mais je peux revenir dans un instant si ça va mieux. Attendez, j'ai appelé un autre cheval. Oui. Ça se trouve, c'est un mauvais. Oui, c'est un tempête bizarre. C'est tempête qui est cassée. Faut que je boive encore, moi. Allez, on va boire. Oui, doucement. Et hop. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. Alors oui, je pensais passer peut-être avant de partir au marché ou quelque chose comme ça pour voir si on trouvait quelque chose pour Pearl. Allez. Voilà, attente. Tant qu'on est là. Et puis bah après je me disais qu'on pourrait aller vendre un peu ce qu'on a réussi à avoir la dernière fois en chassant. Oui. Ce serait bien. Bon, apparemment le marché est par là. Je suis. Vous avez profité d'être en ville pour acheter des vêtements, je vois. Oh non, ça c'est ma tenue d'avant. Enfin, je me suis changé. Une tenue d'avant ? Oui, c'est une tenue que j'avais déjà avant. Mais oui, j'ai fait des emplettes. Mais je garde ça pour plus tard, on verra. Ouais, surprise. Oui, c'est ça. Et toi, t'as fait quoi ? Ah bah, à part ces problèmes d'yeux là que j'ai essayé de régler, pas grand chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ? Oui. Ouais, je me suis réveillé dans le restaurant là et puis ouais. J'ai essayé de faire tout ça. Et puis t'avais mal aux yeux. Et puis d'un seul coup, en fait, mes yeux allaient super bien et tout était bien. C'est ici que et le marché. C'est fini. Ah, c'est ici. Et puis là, en arrivant, ben. J'ai l'impression que mes yeux sont à nouveau pas bien. Oh, je sais ce que je pourrais trouver à Pearl. On va lui trouver des pipes à Pearl. Ah! Parce qu'on en trouve plus, nulle part. Je vais voir s'il y en a quelque part ici. Chiffon du thym, de la menthe, du dissolvant des graisses porcines. La famille du tabaco, je sais pas quoi. Le tabaco. Bim. Des pipes menthol. Des pipes menthol, c'est bien ça. Un bon petit stock de pipes on pourrait les faire. Ouais, pipes menthol. Bon bah je vais en prendre un petit stock. Bah du coup, qu'est-ce que je pourrais lui prendre à Madame Pearl ? Non, ça c'est pas mal ça déjà. Est-ce que je lui achèterais un nouveau bloc-notes ? Je pense qu'elle a un adjoint. Bah, c'est vrai qu'elle est journaliste, ça peut être utile. Oh bah ici il y a des colliers et tout ça. Oh mais c'est cher. Ah ouais, quelqu'un qui essaye de vendre des colliers ? Moi aussi j'en ai. Oula. Oui, il y a des cuillères. Oh, sinon un petit collier hein. C'est toujours, toujours sympathique. Ou des fleurs. Ah oui, d'accord. Oui. Je vais le contacter, ce monsieur. Oui, hein. Je vais lui vendre les miens. Petit poisson. Achète du poisson ici. Allumette. Ah, là, tout plein de viande. Ok. Farnalou. Ah, les œufs, ça va pas être des trucs de fou. Du José au moine. Petite faisselle, fromage, pain de campagne. Un petit capoué. C'est triste. Petit capoué. Il est mort. Et je l'appelais petit capoué. Je l'appelais pas capoué, je l'appelais petit capoué. Il est mort. C'est trop triste.
Ok. Ouais, on est sur du machin, c'est bien, c'est bien. Hop là. Jusqu'à un petit peu. Dire. C'est pas foufou ce marché quand même, hein. Et puis c'est. Ça me donne envie de l'escalader, disons. Il faut attendre un petit peu pour que l'envie passe. Ouais, les rubis. Je vais regarder par si là-bas, mais c'est pas incroyable. Si je lui achète des bananes, ça fait trop avec les pipes. On peut toujours essayer, hein. Mais son copain, il va peut-être pas être content. Ah. Son conjoint. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un dans sa vie, donc bon, lui, il va peut-être un peu mal le prendre, le... Ouais, le double langage possible. Ouais, mais quand même, il va pas se comparer à une banane, quoi. Non, c'est peut-être... Jaloux d'une banane, c'est spécial. Pas jaloux d'un monsieur qui offre une banane à sa conjointe. Ah oui. C'est plutôt ça le message, quoi. Oh, il y a un truc ici. Il y a un truc ici aussi. D'accord, ici ils vendent une graine de patate. Ah bah, ça doit être super bien. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment chouette. Bien sûr, on peut l'acheter. Est-ce qu'on lui prendrait pas éventuellement des petits tickets de loterie là? Oh, c'est pas idiot ça! C'est où déjà? Donc, à faire. Ah oui, j'aime bien l'idée. Je pense Valentine et Tumbleweed ou un truc comme ça dans les salons. Il y avait Valentine, oui. En tout cas, oui. Et puis de toute façon, il faudra qu'on aille vendre, donc faut qu'on traverse un petit peu la région. Oui. Ah oui, c'est pas bête du tout. Ça, c'est une... j'aime bien l'idée. Oh, c'est très bien. J'aimerais prendre une paire de pipes et puis et puis voilà. Ouais, je m'en suis pris aussi quelques-unes. J'espère qu'on fasse la fête comme des foufous là. Ben oui. Combien sur moi? Oh, j'ai plus de thunes. J'ai 16 cents. Oh, j'ai plus rien. Ah, faut que je passe à la banque après. Ben oui. Oui, je crois que moi aussi, mais... J'avais pas vu, mais les pipes, ça m'a tout pris. C'est très demandeur, les pipes. Ah, et puis bon, quand c'est bien fait, c'est cher. C'est vrai. Alors... Donc tu dis Valentine, c'est ça? Il me semblait que Monsieur Duke avait dit à Valentine... Ah, j'ai oublié où il avait dit. Je sais qu'il avait dit deux endroits, mais j'ai oublié lesquels. Donc c'est pas Annesburg ça. Allez hop. Qu'est-ce que je fais? Mais non, pas comme ça. Bah alors Prosper, ça va pas aujourd'hui. Ah là là. Ah mais je peux pas. Ah d'accord. Si tu veux tu peux monter hein. Mais c'est à dire qu'en fait... Ah, t'arrives pas à lâcher. Oui. T'as fait un nœud au niveau de ta main, t'arrives pas à l'enlever. Oui, apparemment. Je fais les tentatives de trucs. C'est un non. Ça non plus. Ah, voilà, c'est bon cheval ça. Si je t'attrape au lasso, peut-être que je réussirai à te détacher en même temps. Ah, voilà. Ah, non, bravo. Pas du tout, je reprends. Mais c'est quoi ça? Ouais, attends. C'est un bon dada. Ça, voilà. Un bon dada qui fait du repos. Là, je m'en vais. J'arrive par derrière, subrepticement. Pas du tout. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oh, tu l'aimes ta tempête. Oui, oui, j'aime bien. J'aime bien la promener. Tu l'as fait, t'arrives pas à le faire partir? Alors, on est d'accord que là voilà. Oh! Wow! Fallait la distraire. C'est sportif pour toi, monter à ouais, chaque fois. Spécial. Ah, ça me fatiguerait moi. Ouais, je comprends. Laisse par là. Ouais, c'est tout un art. Hein. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai que les grands chevaux, ça a l'air d'être compliqué quand même. Hein. Ah bah oui, ça a son petit caractère.
Oui, ça. Pas besoin de beaucoup de câlins avant. Et puis il faut tourner trois fois autour. Et encore là, je vous économise la version avec le jambon. Oui, oui, oui. Je pense à la pleine lune, tout ça. Je me dis, voilà. Franchement, hein. Des statuettes, tout ça. Non, mais j'en ai entendu parler de ces chevaux-là. C'est des chevaux qui ont un sacré. Voilà, qui ont beaucoup de mythes autour d'eux, mais. C'est ça. Il faut savoir, c'est presque un culte, quoi. Presque. Faire des rituels, tout ça, pour pouvoir les monter. Oh, je vais peut-être pas galoper. Attends. Voilà. On sait jamais, les policiers ici sont prêts à nous foutre une amende parce qu'on rentre dans leur commissariat, là. C'est vrai. Ça arrive de se trouver, recrute. C'est des spéciales, Zazie. On s'est semi-fait agresser, quand même, par les policiers, là. Pourquoi on ralentit? C'est quand même bizarre. Parce que je pense que nos chevaux, ils veulent rester au même rythme, ils s'aiment bien. J'ai une femelle, hein. Toi, t'as un mâle, alors bon. Ouais. Ah, on va peut-être aller à droite. Bon, dis donc, il était tout torse nu, monsieur, c'est un peu dangereux. Qu'est-ce que tu dis? Bah, c'est que, bah non, c'est tout. Je sais pas, qu'il était tout nu. Ah, oui, oui. Oui, c'est surprenant, hein. Ça, c'est dangereux parce que tu tombes, paf, tu te rafles les tétons. Hein. Ah, oui, c'est juste, ça va pas faire du bien, ça. Ah, bah oui. Puis bon, ça arrive quand même de tomber, hein. Pour les chevaux timides, entre les bestioles qui font peur. Qui font peur à Bijou, entre les calèches fantômes. Oh, faudra qu'on aille voir Pearl en calèche. Oh. Ce serait joli. On ferait une belle arrivée. Oui. Ah, il garde sa calèche en plein milieu. Oh oui, bon, c'est le gouvernement, ça. Je crois tout permis, ce gouvernement. Bon, j'en sais rien, mais bon, la calèche est jolie. Hein. La calèche est pas mal. La calèche est pas mal. Hein. Moi aussi, ça me tente de plus en plus d'en avoir une. Comme ça, on pourrait choisir. Eh oui. On dirait, oh, on y va comme ça, non, on y va comme ça. Mais bon, c'est tellement cher. Pour ce prix-là, on peut s'acheter des maisons. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une priorité à avoir entre la calèche et la maison. Bah, je suis moins maison, moi. Mais moi, c'est surtout que j'aimerais bien pouvoir mettre mes affaires comme ça, bien. Comme ça, elle serait en sécurité. Aussi, hein, la ah oui, c'est vrai. Il y a aussi du rangement de calèche. Oh, il y a un crocodile ici. Quoi, si tu veux, on a le temps, hein. Salut, ça va? Oui, bah, toi aussi, hein. Ah, il t'a répondu? Ah oui, il a pas l'air commode, celui-là. Non, mais je pense qu'ils savent qu'on était là il y a pas longtemps. Hein. Ils ont entendu parler de nous. Et ils savent qu'on a bon. Eu le crocodile du soleil. Faut peut-être accélérer un petit peu. Oui. Parce, hein, ça va bien, là. Hein. Du coup, on passe par Valentine? Comme ça, on voit oui. Si... Ou alors on va direct à Tumbleweed. Alors Valentine, le problème c'est qu'il faudrait que je passe à la banque et la banque c'est... Blackwater. Oui. Alors faut que je vende des trucs. Non, il n'y aura pas. Oui, une petite calèche. Oui, bon sinon on va à Blackwater. Hein. On va. Oh mais c'est quoi ça? C'est des oranges? Ah oui. Où ça? Derrière. Regardez. Hop. Il y a des oranges. Ah. Des petits orangés, ça. Ah oui. D'accord, il y a un verger. J'avais jamais vu. Oui, je vais me faire attention. Hop là. C'est bien vu. Oh, j'ai déjà l'aide du gouvernement. Ah mais parce que bon, ça fait... j'ai eu le temps de me faire une petite tenue, là. Pas piquer tes tétons. Un petit peu sexy, au cas où, voilà. C'est tentant. On passe par là. Ah, je vais essayer de faire un truc. Allez-y, je vous regarde. Bah ah oui. Attendez. On fait le tour et vous essayez de repasser sur le vôtre. Ah oui. Ah non, ça... Ah, je peux pas, je pense. C'est trop rapide. Ah, c'est... Non, même à l'arrêt, je crois qu'on y arrivera pas.
Ah oui? Un problème de hanche? Oui, il faut qu'il y ait de l'élan. Ah oui, d'accord. Je vais essayer. C'est bizarre ça. Je pensais que c'était encore une fois un truc que les filles savaient pas faire. Hop. Et hop. C'est super. C'est pas mal, hein. On s'habitue bien avec un grand cheval. Oui, c'est vrai. Par contre... Par contre, j'ai l'impression d'être sur un éléphant, là. Oui. J'en ai vu une fois. C'est ouais, immense. C'est comme ce cheval, mais plus comme celui de Monsieur Duke. Est-ce que ça te trompe énormément? Oui, joli ce petit camp, là, à côté. Donc on fait Blackwater, c'est ça? Oui. Quitte à retourner à Valentine, mais... Oui, on peut bon, ça va. On peut passer à Valentine, voir s'il y en a. Oui, déjà. Oula, oula, oula. Bon, alors t'embête. Moi, c'est par là. Toi, c'est par où? Je sais pas. Ah, moi, c'est par là. Je sais pas. Ah là là, bon, on va aller un petit peu. On va aller voir du coup s'il y a des tickets à gratter. Et puis. Et puis voilà. Tu veux que je te rende ton cheval peut-être? Non, ça va. Bon. Ça va très bien. Un cheval, c'est un cheval. Hein. Oui, c'est vrai, mais on s'attache. C'est vrai. Et on s'empoisonne parfois. Ah, quel enfer, Christophe Maé et même dans le RP quoi. Christophe RP il s'appelle. Par contre, c'est vrai que Bijou elle est plus lente, quoi. C'est vrai qu'elle est un peu plus lente, Bijou. Abîmée, quoi. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas envie de l'abîmer en fait. Bon, tu vas pas la casser. Ah, je pense pas, mais bon. Bon, on va voir. Attendez, du coup, mais c'est que j'ai pas de thunes moi non plus. Aucune idée, il faut regarder. Je regarde sur ma carte. Parce qu'il y a un saloon à Emerald Ranch. Oui, il y en a un, oui. Tu veux qu'on y aille? Allez. On va acheter un œil comme ça, on sait jamais. D'accord. Oh, j'ai la main gelée, j'en ai marre. Je me réchauffe la main là sur ma jambe. Je joue un peu avec la main gauche. Et dès que j'ai besoin de ma souris. Je l'ai quoi. Bonsoir. Hey, Dobate. Oui, bah, bien sûr, je sors du côté pas pratique. Il y a une deuxième porte, mais elle est fermée. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas. Hello. Ah oui, tu regardes pour les tickets. Oui, on sait jamais. Comme ça, on sait où est-ce qu'il y en a exactement. Oui, c'est pas bête. Ah, ils ont même des grenouilles. Ils ont ici. Beaucoup de choses.
Ici, tout plein. Une poirade. Ouais. C'est, c'est dommage que on sait pas les acheter avec le nom. J'aurais offert une bonne poirade à Monsieur Duke là, qui a l'air de déprimer un peu là. Ah oui. Hop là. Bye. Civet de lapin. Civet de lapin. 60 cents. Oulou. C'est pas un peu cher ça? Ah si. Bah la nourriture a beaucoup augmenté, les civets, bon, c'est un peu nourrissant alors. Ouais. C'est vrai que ça me semble cher. Moi de toute façon, faut que je passe à la banque aussi. Il te faut des corps avec Josh le bout des doigts libres pour jouer. Bout des doigts, ouais. Je vois en bijou. Allez, faisons ça. On est parti. C'est sympa ici d'entendre les grenouilles, les grillons. J'aime bien. Après, bon, le bout de mes doigts, il est aussi froid. Hein. Bon, c'est vrai que c'est moins dérangeant que la base des doigts. Faudrait des petites mitaines de gamer. Ça existe, ça, des mitaines de gamer? Je me demande. Genre qui sont quand même fines. Mais qui tiennent quand même chaud. Voilà quoi. Il me faut les petits radiateurs. Petits radiateurs pour les joueurs de CSGO là. Mais j'ai plus un seul truc de clé. J'ai plus un seul port USB de libre. Ah quoi que si devant. Ah il faudrait ça. J'espère qu'il suit le Prosper. Je l'entends. Il est trop rapide, Bijou. Allez, par la Bijou comme ça. Mais Bijou, je l'aime trop. Je pourrais pas l'abandonner. Même si tout le monde change de cheval. Elle est trop mignonne, Bijou. Faudrait que je l'entraîne à fond. Comme ça, elle serait trop stylée. Et voilà. Rosemption, ce jeudi au Salon de Rose, dès 21h, un repas et un verre de vin offert. Ah mais demain, je vais pas faire de RP, moi, j'ai d'autres projets là. Faut que je fasse du Elden, moi. Ton bijou de famille. Un chauffe-main. Ouais, mais ça serait plus économique comme main. Bonjour US Marshall. Bonjour US Marshall. Bonjour. Bonjour, arrêtez-vous. Bonjour. Vous avez pas vu des Apaches? Ah non, pas du tout. On vient de Saint-Denis et du coup, je pense qu'ils sont pas trop à Saint-Denis. D'accord. Oui. Mais, par contre, vous étiez sur le chemin, donc ils peuvent être sur le chemin. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, oui. C'est... Alors ça, c'est pas idiot, vous savez. Oui. Non, non, on a croisé personne, là, pour le coup. Bah ça marche, vous pouvez reprendre votre route. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup, vous aussi. Au revoir. Oui. Ah bah au moins ils sont enjoués ici. Ah bah oui. C'est pas comme un road, tu vois. Ah non, c'est... Ouais, un road, tu vois, Oh bah dis donc, effectivement, j'avais vu qu'ils étaient un peu sur les dents, sur les Apaches, je pensais pas qu'ils les chargeaient comme ça. Ah bah oui, c'est la guerre, là. Ils en peuvent plus être les Apaches. Bon, bon, ça les occupe. Hein. Oh oui. Comme Et ça, ils ont moins le temps de mettre des amendes pour mauvais stationnement. Ah, c'est pas faux, des chevals. Ça. C'est pas faux, même si je pense qu'ils font pas trop ça à Valentine, mais... Je pense pas non plus, mais bon, c'est jamais... Je pense qu'ils ont... Ils ont peut-être des vraies occupations, quoi. Alors que ceux d'Annesburg, il faut comprendre, hein. Même comme, les Apaches, pareil, qu'ils vont jamais là-bas. Comme par exemple des amendes pour Gallo. Ah oui. Demain, Elden, ouais, j'ai quand même envie de... d'aller plus loin. Oh là là, tu les galopes, il est fou. Mais tout le monde galope, en fait, ici. Ah oui, y'a que nous qui galopons pas. Mais je crois que ça, c'était ah ouais, des... C'est tout des marshals. Oui, c'est des marshals et des shérifs. Ouais. Ouais, bah oui, eux, ils sont pressés. Tu aurais tué des lois. Des Apaches pour la pêche. Ah, ce serait pas ici. C'est un restaurant ou c'est un saloon ici, je sais plus. Je crois que c'était un restaurant, ça. Vérifie vite fait. Oula. Oh là là, bah dis donc.
Mais ils ont pas besoin d'être 45 non plus. On était deux. Ouais, c'est ça quoi. Ils ont appelé des renforts en nous voyant. Jean-Pierre. Parce que là, comme ça, debout, c'est pas bien assis en fait. Oh bah. Il a eu peur en. Il s'attend à tout. Il a peut-être peur des Apaches lui aussi. Ou alors il a vu une souris. Oh, les souris. C'est impatient. Ah, rien. Eh bah. Mais c'est pas le saloon ici, hein. Donc non, oui. Je pense qu'il faut qu'on aille au saloon. Et puis comme ça, moi j'irai retirer des sous à la banque en face. Oui. Et bijoux. Un autre bijou. Oh, quel temps. Déjà que c'est boueux ici. Et je vois plus rien. Oui. C'est fou. La pluie, la nuit, c'est pas facile. Et c'était 4h30 où on galopait presque. Alors. Oh mais j'ai froid, mais je vais être obligé de me changer moi. Il est super froid. Oh si on bouge, j'aurais pas besoin. Oula. Ah oui d'accord, les éclairs et tout. Oh mais quel temps. C'est une réunion de jumeaux et de cinquuplés. Ah mince, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était mauvais signe. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous sauriez par hasard où trouver des petits tickets à gratter là? Quelqu'un saurait? D'accord, merci. D'accord, donc personne en a, c'est ça? On aurait peut-être dû demander au shérif. Dans la tripotée, il y aura peut-être quelqu'un qui aurait su nous dire. On va essayer de leur demander. J'arrive, moi je vais retirer des sous. D'accord. Oh là, il pleut. Oh là, quel temps. Alors, on va retirer peut-être 8. Ouais, puis on redéposera après, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Quoique, attends. On va aller vendre. Donc, j'aurai des sous. Donc, je vais en déposer quand même 2. Combien sur moi? J'ai 8. C'est bien 8. Oh bah ma bijou qui est toute couchée par terre. Ah merci Infernal, tu veux pas m'envoyer? Au saloon de Strawberry. Ah Strawberry. Donc on va passer à Blackwater avant. On va à Blackwater et puis oui, comme ça on remonte. Voilà. Attendez, je vais regarder si j'ai encore mangé pour Tempête. Oui, puis moi je vais peut-être retirer un peu plus parce que je crois que c'est 3$ le ticket si on c'est en prend plusieurs. 2,50 normalement. 2,50. Ouais, je vais retirer un petit peu plus, j'arrive. Je vais passer chercher du foin. Ah oui. Oh là là. Alors que sans ces modos, ah bah... On merderait déjà. J'ai 10. Ça va 10. 2,50 le ticket. Imaginons j'en prends 3, on est bien. Je vais reprendre encore 2. Au pire je redéposerai. Et comme ça au moins j'ai ce qu'il me faut. Voilà. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais, Bijou? Enfin. Oh là là, n'importe quoi. T'as peur de l'orage, César? Mais je suis là, madame, et quoi?
Hop là, bon, tiens, j'en ai un petit peu, je vais t'en donner déjà. Hop là. Il m'en reste combien? Oh, j'en ai 10. Ça va aller, hein. Attention, Creeper. On va avoir des chevaux squelettes. Ouais, sacrée tempête. Ah oui. Et j'ai... On parle du temps, hein. Parle pas de ton cheval. Ah oui, oui. Bon, les deux, bah, les hein, deux. Mais... Oui, c'est ça. Mais disons que dans le contexte, valait mieux demander. Et puis, bien mais... sûr, ça s'arrête quand on s'en va. Elle est moins brillante, la mienne, en fait. Ah oui, ça c'est vrai. Jean, monsieur. Et bah, c'est parti. Hop là. Ticket à gratter du coup à Strawberry. Et puis voilà. Et à Blackwater, qu'est-ce que moi j'allais faire? Bon, rien, je crois. C'est vrai que je dépose des trucs. Il faudrait que je vérifie mes télégrammes aussi. Oula! Doudou bijou! Elle a freiné de manière abrupte. Oh bah c'était des joueurs. Des gens. Bon, on peut passer par là, je pense. Oui. Ah, peut-être pas. On va passer par là. Voilà. But I'm a creep. I'm gonna explode your heart. C'est pas le même, mais t'as compris quoi. Et bonsoir, Nice, ça va? Et je redis, vendredi, on va tester un nouveau jeu. Un dé, j'y pense. Parce que j'en ai pas. C'est mon frère qui m'a motivé à le tester et c'est pas RimWorld. Voilà. Mais on va tester un jeu indé vendredi soir. Mal au dos, tout ça, tout ça. Aïe! J'hésite de fou en ce moment à prendre rendez-vous avec un ostéopathe. Parce que j'ai des problèmes légers, vraiment. J'ai des petites douleurs assez voilà, ponctuelles et tout. Et je pense que ça ferait pas de mal. Mais en même temps, j'ai plein d'autres soins médicaux que je laisse depuis longtemps de côté et qu'il faudrait que je fasse. Alors voilà. Non ! Ah non, c'est pas ce jeu. Ah, j'ai dit qu'il n'est pas rémoire, tu bluffes. Tu bluffes, non. Non, mais non, évidemment. Non, mais je dis ça. Parce que, entre mon frère qui m'en parle quasiment tous les jours en ce moment, et Vendis qui aime bien rajouter une couche, bon. Elle est fatiguée, la petite bijou. Ça va, Morfufu? Non, c'est pas Minecraft. Non, Minecraft, je vais peut-être attendre qu'on fasse une map... qu'on fasse un serveur un peu plus grand, et puis je verrai si lundi ça motive... Ça motive un peu la troupe d'y jouer ensemble. Elle est fatiguée, Biu. Ouais, bah la mienne aussi. Je me suis dit, s'il y a une calèche fantôme, on est foutu. Ah oui.
En plus, quand on croise des gens aussi de face, bah c'est un peu. Voilà, quand on va très très vite, ouais, c'est ça. Faut en réagir. Alors, les gens, c'est une chose, mais les arbres, c'est encore une deuxième chose. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et à un moment, j'ai fait un petit raccourci, bah, j'étais pas trop sûr de moi. Ah, je les ose pas souvent, ceux-là, sauf quand je connais très bien. Même ici, des fois, je me fais avoir. Bon, ici, on est plutôt tranquille au niveau des arbres. Oui, mais au niveau des crevasses, c'est autre chose. Allons-y un petit peu, hop. On trouve le jour, on gagne quoi? On le trouvera pas. Et sinon, le droit de choisir... de choisir un petit peu le build de départ. Je déteste Grisions. Putain! J'aurais dû faire ma gueule. Je voulais pas que ce soit une surprise, mais du coup après j'ai voulu... Mais d'où tu sais comme... D'où tu... On dirait c'est un jeu d'enquête chelou, tu trouves? Ouais, remarque, c'est vrai que c'est un jeu d'enquête chelou. Oui, bah you bear. Repartir de zéro sur un nouvel map et s'installer chacun dans son biome. Ouais, pas chacun dans son biome, on peut faire un village et tout, mais... Oh bah dis donc. On pourrait faire un... On pourrait faire chacun un truc... un village et tout, mais voilà, que chacun a sa maison. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Ça va être ici? Ah, on essaie de s'amuser comme on peut. Ah oh bah tiens, Dieu Duke, comment allez-vous? Comment vous allez? Bah ça va et vous? Bah ça va, je reviens un petit peu de... Bonsoir à tous et toutes. Je reviens de Saint-Denis, on cherche des cadeaux pour Pearl et du coup on va prendre des tickets à gratter. Ah... Et bah moi aussi il faudrait que je trouve des cadeaux pour Pearl, c'est ce soir en plus son anniversaire. Mmh. Ah, j'ai trouvé des pipes mentholées. Faut que je trouve. Des tickets à gratter. Des pipes mentholées, d'accord. Oui. Ça lui plaira, d'accord. Ça lui plaira. Des tickets à gratter, j'avais pas pensé. J'ai peut-être dû en acheter aussi. Oui, c'est pas mal, au moins. Au moins, il y a des chances pour que ça lui serve. Et bonjour. Bonjour. Bonjour, Prosper. Ça va? Ça va, ça va, et vous? Ah, et puis faut qu'on aille à Tumbleweed vendre le résultat de notre chasse de la dernière fois, vu qu'on l'a pas encore fait. On va voir un petit peu ce que ça rapporte. Ah, ah oui, la chasse légendaire. Hein, oui. La nuit. La nuit à attendre dans la forêt. Cette fameuse panthère qui ressemblait étonnamment à un coyote. Oui. Oui. On a découvert une nouvelle espèce. C'est ça. Petite panthère rouge. D'accord. C'est bon, t'as réussi. Oh, pardon. Oui. Oh, je vais poser bijou à Mia. Strawberry? Ah, il faut qu'on aille à Strawberry. Ah, oui, c'est pas ici. Ah, elle est pas trop sur Saint-Denis là ce soir, apparemment. Un castor furtif, on dirait. Qu'est-ce que c'est, un castor furtif? Bah, a priori, c'est un castor qui se fera pas voir, donc on s'en fout un peu qui est à Saint-Denis, non? Ah oui, c'est vrai. Oh bah nous, on voit plein d'animaux furtifs, hein. Oula, ouais. Bah du coup, on va faire... Je me rejoindrai peut-être un peu plus tard dans la soirée. Bah oui, je pense qu'on va peut-être se croiser. Yo. Pas de soucis. On va peut-être se croiser, j'ai demandé à Pearl de me dire quand elle est disponible, qu'on fasse un petit peu la fête, ça pourrait être sympa. Bah ouais. Bah. Les premiers qui s'établissent un peu quelque part, ils envoient un télégramme. C'est ça. Comme ça, on d'accord. Se retrouve. Eh ben, ça marche. Ok, ok. Bonjour. On se dit à tout à l'heure, alors. Eh ben, la bonne soirée, à tout à l'heure. Ça marche. Oups, j'ai appelé mon cheval. Laissez passer, dinosaure. Ça va. Là, mais c'est quoi, ça? Il y a plein de monde. Ah oh bah, oui, c'est un peu la fête. C'est fou. C'est chouette. Alors Strawberry puis attends, oui, que je vois notre itinéraire. Strawberry d'abord, oui. Et puis après on descend jusqu'à Tumbleweed, en gros. Et d'ici à Tumbleweed, ben, on aura sûrement eu des infos, Pearl nous aura peut-être donné un petit peu de nouvelles. Est-ce qu'on fait ça? On peut faire ça, je cherche le vu que je pense là. Qu'elle sera armadillo de toute façon.
On sera pas loin oui. comme ça. Parce que je me suis dit, bah, on peut direct aller vendre et puis après remonter, mais c'est un coup à ce qu'on fasse encore un aller-retour après. Ouais, de toute façon, on va passer par Armadillo à un moment et on va tomber dessus, quoi. Oui, c'est pas faux, ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, je regarde Strawberry. Bon, c'est à côté. Peut être troll, ouais, c'était... Ah, si je trouve un mushroom, ouais. Oui, non, mais t'inquiète pas. Je pense qu'on va refaire une map. Après, j'aime beaucoup notre dôme, donc... mais le but, ce serait que chacun ait son petit chez-soi, et puis voilà, qu'on... Qu'on se visite mutuellement, qu'on s'entraide, voilà. Bah, monte sur le cheval de quelqu'un. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour, messieurs, dames. Ça va. Allez, c'est parti. C'est parti. Vitesse lumière. Ah oui. Hop là. Oula. Ah oui, d'accord. C'est parti. Oui, oui, là, j'avais marre de chevaucher. Et maintenant que je sais faire ça, quand Monsieur Duke nous a montré. Ah oui. Il sait le faire, je sais le faire. C'est vrai. Il m'a monté plein de trucs avec les chevaux aussi, vachement rigolo. Ah oui ? Mais j'ai un peu oublié des trucs, oui. Mais je peux vous montrer après. Ce que je me souviens. Oui, il faudrait que je vois aussi pour m'informer sur ce que pense un palefrenier de son niveau, tout ça, etc. Parce que bon, je sais que je sais pas trop si. Si j'ai réussi à bien l'entraîner comme il faut, s'il y a peut-être des choses à revoir, faudrait que je vois ça. Je sais pas trop où c'est. Il a regardé la mienne et il a dit oui, oui, bah, il reste un petit peu d'entraînement à faire, mais autrement ça va quoi. Et j'ai vu la vôtre et je pense que c'est ça. Oui, je pense aussi. Après, j'ai jamais rien fait trop, donc je sais pas. Non, mais non, ça, je pense que ça a coûté 20$ à un moment. Oh, 20$ ! Oui, donc je préfère qu'elle soit un peu moins bien. Ah oui, d'accord. Bon, j'irai juste voir pour savoir ce qu'il en pense. C'est à. C'est dans toutes les écuries ou pas? Non, pas c'est pas du tout. Je suis retour. Ok. Ah oui, moi aussi j'ai eu un petit. J'ai eu une petite impression déjà vue. Grand Miles va se produire à Blackwater. Il accepte les donations. Hop là. J'ai entendu parler d'un grand Miles aussi. Tu sais qui c'est? Bah, c'est le monsieur. C'est le monsieur de couleur qui était. Que j'ai dit bonjour. Sur le coin. Oui, je l'ai même pas vu. Bon, après, j'ai pas fait attention. Ah! Oh, oui. C'est Monsieur Miles. Ah oui, 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 d'accord, je vois. Oh. Il est gentil. Bah, je l'ai jamais vu à Blackwater. Apparemment, il va vers Blackwater. Ah là, oui, il était, ouais, il était là. Et puis hier ou avant-hier, il y était aussi. Oh, c'est sympa. Il est sur un petit coin là. Il fait de la trompette. Bah, c'est cool. Moi, j'aime bien. C'est sympathique. Ah oui, c'est vrai. Ici, il faut se garer avant. Oui. Et les dinosaures ne sont pas acceptés. Je vais la mettre ici. Bah. Ouh! Allez, fais le deux. Pardon, il t'en fait. Mais non, mais qu'on se visite. On se visite l'intérieur, quoi. En fait, c'est joli, mais je sais pas si j'aimerais bien habiter ici. Avec le recul, le bruit du moulin, voilà quoi. Oui, c'est ça. C'est quand même bruyant. Alors, c'est pas désagréable, mais à la longue, je pense que ça peut l'être. C'est ça. Je vous conseille de pas rester là. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Y'a les papas, ils sont pas très loin. Oh! Ah bah on va vite se cacher dans le saloon alors. Bah vaut mieux, oui. Ah, dans le saloon? Okay, merci. Ok, on va se cacher dans le saloon. Merci beaucoup pour l'info. Y'a pas de quoi. Vite, allons boire. Ah. Ça fait peur tout ça. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Faut voir. Les shérifs, ils ont pas l'air d'être très bons. Oui, ils sont pas paniqués. J'ai eu envie. J'étais mute, bien sûr. T'inquiétez pas. De toute façon, les Apaches, ils vont pas dans les saloons. Oh, bon, peut-être bien, hein. Mais là, c'était pas les Apaches, là, ils disaient, c'était autre chose, non? Ah non, c'est moi, j'ai entendu les Apaches. Ah, j'ai peut-être pas fait attention trop. Ah, je sais pas. Bonsoir. 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 Ouais, bonsoir. Mais bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, est-ce que c'est ici? Oui. Oh, il en reste plein. Ah bah ça tombe bien. Bizarrement, je crois deviner que c'est des tickets à gratter. Déjà. Effectivement. Ah oui, c'est chouette. Ah bah nickel, merci.
C'est pour offrir pour un cadeau d'anniversaire. Tu t'es pas fait trop mal du coup? J'en prends combien? J'en prends 4 ce matin. Ah, combien vous allez en offrir, madame Denise? Bonne question. Ah oui, t'as pris une belle gamelle quoi. Une très belle gamelle. Mais qu'est-ce que tu faisais dans les. Peut-être en prendre 3? 2, 3? Entre ça et. 3. Ça lui en fait 6 si on en prend 3 chacun. Oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas ça fait 6 chances de devenir millionnaire. Oui. Faut quand même éviter les. Peut-être en prendre un. Les cascades. Bah, moi aussi. Comme ça, si je suis millionnaire, je lui en prends 3. Bah, voilà. Autrement, elle ira miner des trucs. Voilà. D'accord. Bah, là, en tout cas, ça a été une belle gamelle. On peut tomber sur des groupes actifs. Oh, à cette heure-là, je sais pas. Oh, si. Qu'est-ce que tu fais? Tu grattes tout de suite? Après, j'étais pas seul, t'inquiète pas. Ouais, attendez, je regardais. Et moi aussi. Je préviens, c'est tout. Je regarde aussi un petit peu. Ah, ici, il y a aussi des civets, je prends des civets. Monsieur le maire. Et s'il y avait tout, donc profitez-en. Oui, je vais peut-être effectivement faire un petit stock, parce que là, en plus, on est parti pour un périple, alors ça pourrait être pas mal. Oh, c'est Madame Duval, ça. Ah oui, tout à fait. Monsieur Wood, comment vous allez? Ça va bien, merci. Attendez, je reviens. Et vous êtes bien luxueux, Monsieur Woody? C'est les habits du dimanche. Alors, c'est mes habits, ils sont pas si beaux que ça. Ah bah, quand même, vous êtes bien élégant. Oui, c'est vrai. Woody, l'homme le plus chanceux du saloon, hein. Ah, ah bon? Ça, oui, voilà. Ah bah racontez-nous. Je sais pas, les tickets sont tout gagnés aussi. Ouais. Il est toujours. Ah c'est bah attendez, on va voir ça tout de suite. Ah oui, on voit ça. Entre on ça a pris. Et le mini parieur qui gagne une fois sur 3. Ouais, même plus là. Ouais. Une fois et demi sur 3. Moi, je vais te gagner 10$. Oui. Je dis, les tickets sont super gagnés ici. Ah bah pas le mien. On n'a pas dit que c'était gagné en tous les coups. Hein. Ouais. Moi ce matin j'ai gagné 50$. Oh bravo. En 5 tickets. Oh moi je vais faire 5 tickets. Ouais, deux tickets, 2 fois 50. Alors je te regarde. Oui non mais toi je me dis heureusement que t'es pas marié. Hein. Moi j'ai plus de quoi racheter, je vais attendre qu'on ait vendu. Par contre, il y en a un entend sa télé et tout. Ce qu'on est gérant de salon, c'est qu'on n'a pas besoin de payer les tickets. Ah oui, c'est vrai. Bah, je m'éloigne un petit peu parce que moi, entendre la télé derrière, ça me nique complètement mon immersion. C'est pas facile. Mais d'où ils sortent? C'est bonjour, monsieur. Des partenaires commerciaux. D'accord. Ah, oh, c'est chouette. Alors, on va tiquer un. Oh, on va gratter un ticket. Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Merci. Bon, bah, monsieur Woody a pris tous les gagnants, je pense. 50 une TV, ouais, complètement. Ah, oui, d'accord. Oh, oh d'accord, mais il a déjà pris tous les gagnants. On n'a plus aucune chose. Ah, pardon. Bon. Voilà, 50$ sur un photo, ça va. Moi, hein, c'est 50$ oui, gagné. Ah, j'ai les tickets, j'ai gratté. Je pense que c'était quelqu'un de malade. C'est les tickets qu'on a où, ça? Toute dernière étagère dans le comptoir. Ah oui d'accord. Ah mais j'ai laissé. Oui. Moi je gagne seulement les 50$, je laisse les 100$. Ah c'est sympa ça. Les tickets ratés, on gagne des sous avec ça. En fait vous en perdez aussi. Bah, j'imagine oui. T'as de nouveau gagné, petit Prosper? J'en ai racheté 4, j'ai tout perdu. Mais j'en ai racheté un, celui-là je le sens bien. Ah. Vas-y, étonne-moi. Ah, je peux plus. Ça va je peux faire pas. $100 ça. Ah oui, bah j'ai déjà 1-0 de $100. C'est fini. Nickel, oui. Bon, bah c'était vachement bien. Alors, en fait, c'est un peu le même principe que la Blackjack. Oui. Avec la roulette. Ça gagne pareil en fait. Écoute, on va aller vendre un Tumbleweed et bien après on pourra tout dépenser en tickets si tu veux. Voilà, c'est ça. Des tickets, il perd du. Il perd du sac de. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Quel bonheur. Ah oui. au niveau du temps investi, du bonheur donné. Ah, du bonheur en papier là. Ah oui, c'est. Là, je suis plein d'amusement là. Mais ça, c'est courageux de riche.
C'est-à-dire que si elle a pas de sous à la base, faut pas jouer. Oui, c'est exactement ça. C'est pas faux, ça, c'est bien dit, mais... Et alors, le truc, c'est qu'une fois que vous avez des sous, bah, vous n'avez pas besoin. Donc, faut pas jouer. Oui. Et gardez vos sous. Une très fine distance entre les deux, là. C'est ça, oui. Entre ceux qui ont assez d'argent, mais pas trop. Ah, s'il y en a qui pouvaient vous écouter, parce que j'en connais, ils croient qu'ils sont accros au jeu à gratter. Ah bon ? Ah bah oui, je serais pas étonné. Bah, ouais. Cela ah dit, bah... hein, moi j'ai connu, j'ai eu un oncle, lui, il avait tout perdu au jeu de cartes, et il était complètement accro, mais il savait pas jouer, ce crétin. Ah, ça c'est con. Les risques, il dépense entre 100 et 200 dollars par semaine. Oh ! Ah oui. Moi je vais vendre ça en fait, voilà. Mais c'est fou. C'est ça, vendeur de tickets. Vendeur de tickets. En fait, vous savez, madame de... Bravo. On va acheter une petite calèche avec des jolies couleurs. On va s'acheter des trucs et on va aller de ville en ville vendre des tickets. Vendre des tickets. Et moi, je pense que ça va être incroyable. Ah, vous savez qu'il y en a beaucoup déjà sur le marché, des vendeurs de tickets. Ah bon? Oui, mais pas des comme nous. Est-ce qu'ils ont une jolie calèche, toutes les couleurs? Non, par contre, ils sont en famille. Ils sont en famille? Ah. Ouais, mais vous savez, nous, la famille... on a la famille qu'on choisit. Bonsoir. Oui, tu savais. Bonsoir. Bonsoir. On peut y aller. Bonsoir. Oh, pardon. Je vous laisse un petit peu la place. Allez, hop, on y va. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. On peut sortir du coup, il n'y a plus de... Oh. J'ai perdu. Bah, je sais pas, j'ai eu. 10 dollars. Ah, j'ai perdu les 10 dollars que j'ai gagnés. Ah oui. Vous avez pas gagné 50 dollars vous? Pourquoi je suis quoi? Ah non, moi j'ai gagné 10. Qui dit qu'il a gagné 50? Ah, c'est Monsieur Wood. Le gérant. Ah. Ça restait un mois sur mon PS Plus, bientôt fini. Oh. Les jeux d'argent, frangin. Hein? Alors que t'arrêtes les jeux d'argent, frangin. Bah, bon, j'ai même pas vu Monsieur Wood, j'ai même pas où il est parti. Je lui enverrai un petit. Si on fait la fête, je lui enverrai un petit télégramme. Je lui dirai, bah, si vous avez du temps, venez nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Bah non, c'est déjà croisé, je crois. Ah, mais oui, ici, j'arrive pas à lui parler à lui. Comme si. Mais il veut me parler qu'à moi. Ok, bon, bah on est parti pour aller vendre à Tumbleweed. Et puis après, je pense qu'on remontera sur Armadio pour voir Pearl. En gros. Ah oui, c'est une Tumbleweed, ouais. Et après, c'est là. Ok. Eh bien, soit. Soit. Je vais peut-être boire avant. Je vais prévenir Prosper. Je vais aller boire un coup avant, à la rivière. Ok. Bonsoir, Maritine, marchandise ou simple balade? Oh, j'ai pas vu qui c'était. Swat, les Robocop? Ah, comment ça, Swat? Ah, Swat. D'accord. À boire cette eau-là, elle sera quand même plus sympa que les vieilles mares de Tumbleweed Armadillo, là. Hop là. Oh, peut-être que... Je vais me nettoyer le visage aussi. Viens à l'école des champions. Ok. Attendez. Petit nettoyage. Et je vais voir si ma gourde elle est pleine. Je sais plus si elle est pleine. À moitié. Je vais l'utiliser puis la remplir comme ça sera full. Utiliser moitié. Tu as bu dans ta gourde. Ah bah c'est cool ça. Voilà, je la remplis. Et voilà. Risqué ici hein, quand même. Mais bon voilà, si je me change, faudrait que je me rechange une fois là-bas. On va avoir chaud là.
flasque qui se transforme en bouteille une fois dans ta main. Oui, bah on connaît. Hein. Qu'est-ce que tu te fais de beau? Moi aussi, j'ai un peu faim. Envoyez où? Envoyez là, monsieur Prosper. Ah ben, vous là? Oui, j'étais allé là-haut, moi. J'ai eu peur que vous étiez doyé. Non. Ça va, je sais quand même boire dans une flaque. Il me semble que vous avez pas bu qu'une flaque, Madame Denise. De quoi? Parce qu'elle est accrochée à votre main, la preuve. Elle est accrochée à ma main? Ah. Oui. Alors, Sortez un couteau. Je fais ça. J'attends que le monsieur passe. Hop là. Qu'il ait pas l'impression que je sorte le couteau. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Oui. Et bah tant mieux. Mais non, ça va, ça va. Ah, ça va mieux, mais il me suit pas, Prosper. Et toi, ça va? Ça va. Attendez, je vais peut-être me changer. Attendez, j'arrive. Ça marche. J'ai appelé Bijou, moi. Et le Royal. Et oui, il est parti se faire une petite omelette, là. Parce que, bon, on n'a pas trop mangé ce soir. Moi, j'ai bu un peu de soupe. Parce que j'avais pas faim. Lui, il a pas mangé. Parce qu'il avait pas faim. Et du coup, bah, voilà. La soupe, ça a peut-être un petit peu léger. Puis, il commençait vraiment à avoir besoin de manger. Donc voilà. Donc j'ai l'odeur de son omelette. Ça donne faim. Non mais pourquoi t'arrives par là à chaque fois toi? Voilà, tout va bien. Peut-être t'ordonner à manger quand même. Soit une petite route. Bon après je pourrais le faire avec Prosper. Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. J'ai envie d'affaux plat maintenant, c'est malin. Ah bah, moi j'ai envie de... Oh waouh. Oh, tu es rutile. Ah oui. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Hop. C'est pour les anniversaires, il faut être coloré. Oui, c'est vrai. C'est festif. Ok, direction quoi? Direction là-bas. T'inquiète pas, j'ai regardé. Ok. Est-ce qu'on repasse par Blackwater vite fait? Moi j'ai pas besoin. Parce que, moi j'ai plus un deck. Ah bah oui. Je suis fauché comme les blés. On va y repasser alors. Bah de toute façon, je crois qu'on y passe forcément. Oui, bah oui, c'est sur la route, oui. Ah non. C'est pas il nous coupe un petit peu. Ah. Bah c'est qu'il y a des routes qui nous évitent d'avoir à faire ce détour, mais voilà, là c'est bon. Ah mais ça passe par les forêts carnibales. Ah oui? Non, je crois pas. Ah ouais? Je sais pas, je peux regarder en fait. Mais clairement j'ai envie de me faire oignon. Ah oui non, lui c'est... Chérie, je suis une du gouvernement. Ça te dort omelette au pommes de terre. C'est bon, on peut y aller. Bah ça l'a dit, après on va vendre. Ah bon, on sait pas comment ah, on aura. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai, il y avait ça. Elle a voulu sauter. Je lui ai pas dit de le faire, mais elle a voulu. Oh, bof. Si ça lui fait plaisir. Oui, elle se dégourdit les patounes. Calme-toi, Bijou, c'est pas grave, c'est qu'une butte de terre. En tout camouflage. Non, c'est des fleurs. Quoi? Ah. Désolé, Bijou, désolé. Désolé, Prosper, désolé. T'as, j'aime bien les légumes, mais c'est vrai que je t'ai pas préparé. Alors là, c'est des fines herbes. Oui.
Ah, j'ai coupé par ici, attendez. Hop, j'arrive. Bon, on n'est pas pressé, hein, t'inquiète pas. Hein. Bonjour, messieurs. Je vais aller voir mes télégrammes, tiens. Ah bah j'en viens. Ouais, mais je vais quand même regarder. Vu l'heure, elle a peut-être répondu entre temps. J'hésite en vrai à aller me changer, à avoir une tenue plus colorée, mais bon. Ça va mettre 2 heures, ça va être trop long. J'hésite. J'avoue, j'hésite. Hey there. Et hop. Oh mais quelle efficacité. Hyper rapide. Bon voilà, j'ai regardé Tumbleweed. Faudra couper après, je sais plus trop par où c'était. Ah mais oui, il fallait descendre. Bah pardon. Oui, c'est pas très compliqué normalement. Il y avait toutes ces tentes avant à gauche. J'ai peut-être pas fait attention. Oui, si, si, si. Ce campement, ça me dit quelque chose. Qui est en train de manger ou ouais, fumer une pipe ou je ne sais quoi. Je me suis tendu d'un coup. Ouais. Je suis très bizarre. C'était ce que j'étais en train de me dire. C'est très étrange. Ton corps, il sait pas comment réagir, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, il a dit. Mais tu vas pas prendre une pipe alors que tu pourrais tomber. Mais ça va pas. Enfin. Ça va pas, non. Ça a créé quelque chose de mental un peu étrange. Je me regarde. Je crois que si je suis à l'arrêt... Ah non, ah voilà. Si je suis à l'arrêt... Dès que je suis à l'arrêt, bonjour. Incroyable. Meilleur truc au monde. Ah oui, oui. Elles sont bien les mentolées? Ah bah, elles sont comme les pommes mentolées. Ah, je me doutais que c'était un petit peu une arnaque. Ils ont foutu... une vieille herbe de menthe, une vieille feuille de menthe à l'intérieur, et puis ils ont dit allez, mentholé. Ouais, dans l'absolu, ils pourraient appeler ça des pâtes arrabbiata. Ce serait pareil. Mais quoi? Des spaghettis à l'arrabbiata. Ouais, mais bon, on s'attend moins à un truc à fumer quand même. C'est vrai. Après, bon, je pense qu'on peut tasser un spaghetti ou une spaghetti, je sais pas comment on dit dedans, mais. Non, ça doit être jouable. Ça doit être un petit peu étouffant en fumée. Ça va cramer bizarre. Je sais pas s'il faut saupoudrer de parmesan, mais... Ça me donne faim tout ça. Ça donne du style. Ouais, c'est vrai. Après, bon, ça sentirait le parmesan autour de nous. Ça peut être chouette, mais bon. C'est vrai que je viens de me donner faim d'un coup aussi. C'est pas très malin. Déjà qu'on a faim tout le temps dans ce pays. Si en plus commence à parler bouffe. Oh. Un truc dans le fion, mais non, mais ça fait ça. Oh, des loups! Ah bah oui, mais comme je fume, je peux pas viser. Oula! Oula. Oh ouais, tout est sous contrôle, mes bijoux, faut que tu décales! Même le loup, il a mis un petit temps de réponse en se disant non, pas oui, fait ça. Oui, oui. Si. C'est, il était surpris en fait. Il s'attendait pas à me voir. J'ai l'impression qu'il réfléchissait. C'était ça. Bon, je vais la calmer un petit peu et puis si on les voit sera. Parfois, il y en a un peu plus loin. J'ai arrêté de fumer. Je prends mon arc. On sait jamais. J'ai pas l'habitude qu'ils soient sur le chemin comme ça. Voilà, on va y aller doucement ah et oui, puis... mais non, je peux pas.
Ah oui, tu peux pas? Ah oui, non, je peux pas. Ah, mais oui, mais c'est parce que t'es... Je suis à l'arrière, en fait. À l'arrière, donc forcément, tu peux rien faire. Alors qu'à l'avant, c'est la chance du bratis. Bah oui. Non, mais on va y aller doucement, et puis comme ça, dès qu'il faudra accélérer, si on voit des bébêtes, on le fera. S'il y a des tickets Tumbleweed, je reprendrai peut-être un petit après avoir vendu. Oui. Parce que bon... Toujours ce désir de devenir millionnaire. Hein. Mais... Ah mais... Allez, ils sont pas des millionnaires, mais bon... Un petit 50 gens, là. Ils en ont pas besoin, ils en gagnent quoi, c'est fou. Oui, bah Mpiu-Tiu qui dit y a plein de thunes, il s'en fout. Mais bah il a gagné 50$. Oh. Oh, oh. Quelle bande de rabat-joie. Moi je veux bien. Et nous, on saurait quoi en faire, hein. Moi, je m'achète une collection de charrettes. Hein. Ah oui, bah complètement. Alors moi, je m'achète une petite maison. Un petit bateau. Oh, un petit bateau. Alors ça, j'aime beaucoup l'idée. Ah ouais, un petit bateau. Bah, je m'achète une charrette et un petit campement. Et puis, je m'achète un flingue en or. Juste pour avoir un flingue en or. Oh, je mettrai même pas de balles. Juste... Oui, juste pour l'avoir. Juste pour l'avoir. Ce sera un accessoire. Un super couteau pour couper mes tartines. Oui, un couteau en or. Et celui de Monsieur Duke était vraiment très beau. Bah oui, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, un arc en or. Bon, il faut plus que trouver des sous en fait, c'est ça. Ah, et puis on pourrait... On a toujours un projet de théâtre en fait. Ah oui, bah oui. C'est marrant qu'on y ait pensé ni l'un ni l'autre quoi. Bah ouais. Bon, c'est-à-dire que moi je veux bien le racheter, mais c'est-à-dire que... J'ai un peu l'impression que c'est... Qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à y faire. Ben ouais, et que semi tout le monde s'en fout quoi. Bonjour. Et d'accord, mais donc. Quand vous voulez faire pas de... Oh, je pense qu'on repassera là tout à l'heure de toute façon. On s'y arrêtera plus tard. Ben oui. Oh, il y avait un serpent. Ah. Ok. Une poule, un aigle, on sait pas. C'est une poule légendaire. Oh. Oh. Oh, je peux accélérer, elle a complètement récupéré la petite. Allez, Bio. On a fait une bonne partie. Il y a du monde en tout cas en ville. Hein. À chaque fois qu'on était en ville, on a croisé du monde. Ouais, mais c'est des shérifs et des médecins. Oui, c'est vrai. En fait, vous enlevez les shérifs, bah il reste non. Mais j'ai vu que ça recrutait encore à Strawberry. Mais est-ce qu'ils veulent pas juste exécuter les bandits comme ça on a moins besoin. Bah qu'est-ce qu'il fait lui. Comme ça on a moins besoin de shérifs et puis on peut commencer à. Oh mais parce à que c'est. En paix dans ce pays. Oh, c'est une peine un petit peu décisive. Ben... Définitive. Peut-être qu'ils font ça vraiment que pour les gens qui tuent beaucoup, tout ça. Parce que le chef des Apaches, je pense qu'il y aura droit, hein. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Mais bon, par exemple, ces sous-vivres, des chances pour que s'ils sont chopés, ils aillent pas jusque-là, quoi. Un petit coup de fumée sur sa ruche. Histoire de bien les calmer. J'ai compris. Oui. J'ai dit, je l'ai dit sans le dire. Oui. Ils ont rien le droit de faire. Oui, c'est une pendaison, on pourrait lui demander. Bah alors, on a perdu sa ruche. Ah, je pense que... Non. Si jamais il y a une pendaison, il est possible que je manque un peu de respect à cette personne. C'est possible. Que j'aille chanter une petite chanson. Oui, c'est possible. Bon, je pense qu'on s'approche. Ce sera plus au nord. Ah non, il faut. Bah non, de toute façon, on va aller déjà à Tumbleweed. Voilà, et puis, Tumbleweed. Et puis après, on prend un petit chemin. Oui.
c'est au nord-nord-est. Nord-nord-ouest. Il y a encore des gens. Et vous, partout où mais vous c'est encore des shérifs, mais quoi? Hop là. Ah, je ne sais pas. Ah oui. Bon bah messieurs, passez une bonne soirée. Ouais, bon, bah, on va pas les embêter, hein. Bon, on va contourner oui, tranquillement. Oui. Parce que là, bon, y a plus trop la place. Bonne soirée. C'est au nord. Enfin, nord-ouest. Nord-ouest. Il faut que je tourne. Bon, je contourne. Je contourne un petit peu tout. Après, je sais qu'on peut prendre ce petit chemin. Oui. Il faut descendre. Ici, il faut descendre quelque part là, oui. Alors, il me dit que par là, je prends la carte par là, je peux... Ah, là, on peut descendre. Ici? Ah oui. Et ils font longer tout le... faut longer tout le truc ici. Ah oui, d'accord. C'est vraiment plus haut. Mais je pense qu'il y a moyen de descendre à plusieurs endroits. Oui, je pense aussi, mais c'est vu que je connais pas trop. Quitte à faire un détour. Et là, c'est par là. Oui. Panier Christian, des bisous. Repose-toi bien. Oh, j'ai faim. Oh, je crois que je vais me faire un sandwich avec un œuf là. Oh, je vais me faire un sandwich après. Je crois que j'ai plus faim. Oh, si, on trouvera. Au congélateur, tout ça. Oula oula oula, c'est qu'un caillou, bijou, tout va bien. Nous y voilà. Bonsoir monsieur. Il est toujours pas beurre. Hein. C'est fou, hein, il est debout, il attend gentiment. Bien monsieur. Fais dodo bijou. On s'abrite pile poil pour la tempête. Enfin, on dirait à l'orage en tout cas. Alors. Oula, faut que je regarde ce que j'ai sur moi d'abord. Alors, peau de coyote, si je vous propose, monsieur, une peau de coyote, est-ce que vous êtes d'accord? Ah, c'était le haricot rouge, il me semble. Bon, je vais voir, est-ce que vous le voulez? Ah oui, du coup, c'est 12 dollars. Coyote à haricot rouge. Coyote à... ok. Je vais regarder pour le noter. Je vais le noter. Bah, je vois plus sur le dossier. Ah si, voilà, coyote rouge. Prix 12. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un cougar. C'était un cougar ou une panthère? J'ai oublié. Oh, je vais regarder. C'était le coyote. Oui, non, mais la avant. Panthère, on avait le crocodile et on avait... Le cougar. Ah mais le cougar, non, on l'a pas retrouvé la deuxième fois. Ah oui, non, c'est vrai. Mais on l'a pas refait. Ah oui, on l'a refait, mais si jamais arrivé. Oui, c'est voilà. Donc c'est... Oui, je crois que c'était ça. C'était l'alligator et c'était l'alligator du soleil. C'est lui. C'est 16 dollars. Ah, c'est pas mal, il était facile encore. Oui, c'est vrai. Celui-là, ça allait. Et après, il y a des bois aussi, mais ça, on n'avait pas de... On n'avait pas d'autres choses comme ça. Je regarde un petit peu ce que j'ai sur moi. Du coup, j'ai dit 16. Hein. Alligator. Alligator du soleil, du coup. Hop là. Bon, ça nous fait presque 20 dollars. C'est pas trop mal. Hop. Alors.
récupérer votre mise de piège et de trucs avant de faire vos calculs. Ah oui, bon. C'est plus. C'est plus. Écoute, c'est plus. Non, mais c'est... Bah écoute, sur les 18, je te donne 8 et je prends 10. Voilà. Allez, voilà. Si je me rappelle où est ma poche. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais m'approcher. Hop là. Où sont mes billets? Ah, voilà, il y a ceux-là. Déjà. Et ensuite, le billet de 5. Merci. Je crois que celui-là, tu l'as pas reçu. Mmh. Voilà. C'est ça. C'est tout bon? Un billet de 5, oui. Eh ben, c'est parfait. Hop. Bah maintenant qu'on a le piège et les infos, on pourra faire ça régulièrement, ça fera des sous assez facilement finalement. Parce qu'une fois qu'on savait l'endroit et l'heure, c'était rapide. Bah, est-ce qu'on peut faire aussi... L'alligator par exemple, oui, vu qu'on chasse beaucoup ça, à côté. Ah, d'ailleurs, fallait que je vende un petit peu ce que j'avais eu. Mais autrement, ce qui... c'est à quelle heure c'est... Ah oui, non, mais d'accord, il est déjà cette heure-là. Autrement, j'aurais dit, on peut aller à Guarma aussi, hein, faire du soufre. Ou une paire de pépites et des rubis, des trucs comme ça. Mais surtout, ah oui, le soufre, ça pourra, en fait, oui. Le soufre, ça fait des vrais billets. Mais oui, parce que maintenant, je sais pas ce qui est racheté par des vrais billets et ce qui est racheté par pas des vrais billets. Bah, à mon avis, le soufre, c'est des vrais billets, je suppose. Où sont mes billets? C'est légal, donc... Bon, faut que je vende aussi des dents, des petites choses comme ça, là. Là, je les ai vendues à Strawberry, j'ai pas pensé à vous dire. Ah oui, j'ai oublié, moi. Il n'y en a pas par ici? Eh ben je regarde. Est-ce qu'il n'y en aurait pas à Tumbleweed par exemple? J'ai l'impression qu'il y en a un à Tumbleweed. Au centre, il y a un magasin de chasse. Il va peut-être acheter. C'est lui, ouais. Et ben c'est parti. Et on peut voir ses télégrammes à Tumbleweed, j'ai oublié. Oui, bah il me semble, mais je sais plus où. Ah oui, si, c'est un tout petit bureau. Ah, tout nul. Oui. Oui, tout nul, oui. Tout nul et tout bandé. Où sont mes billets? C'est un point de risque? Bah pas vraiment, hein. Quand on n'a pas beaucoup, tu les cherches aussi. Hein. Bon, je vais voir si je reste par là. En fait, c'est la mairie. Le bureau tout nul, c'est la mairie. Ah oui? Eh d'accord. La mairie, elle est nulle, la Tumbleweed. Oui, bah oui. Bon, elle est à l'image du reste, quoi. C'est un peu ça, oui. Ah, le saloon, s'il était pas si sale, on pourrait en faire quelque chose. Hein. Mais il est tout sale, tout cassé de partout. Quelle idée. Ouais, mais tout le monde se bat dans ce pays. Oui, c'est vrai. On pouvait remonter ici, non? Ah, j'ai pas vu. Je me demande, cette grosse montée, c'est jouable? Et un. Et bien. On va regarder. Allez, ça grimpe. Galope. Oula. Ah, peut-être pas. Je pense que ça peut, mais je me suis... Je l'ai... Oh, d'accord, non. Non. Ok. Désolé, Bijou, désolé. Pour son anniversaire, à Bijou, je lui ai acheté un piolet. Hé, hey, un piolet à fixer au sabot. Ah, oh, mais moi, c'est par là. C'est ça. Oui, là, c'est la baraque de Monsieur Dubois. Là. Ah, oui. Ah, bah. C'est bien, Bijou, c'est bien. Comme quoi, hein. Elle a quand même du. Elle a de la réserve, hein. Elle a du ressort. Ah, du ressort, littéralement. Ah, ici peut-être. Que là-haut, je pourrais pas, oui. L'impression, hein. Je pense. Ici, là, y a moyen, ça? Oui. Calme-toi, Bijou. Je te sens tendu, Bijou, là. Elle fait des dérapages. Oui, alors à chaque fois que je lui dis de freiner, elle freine très très fort. Elle ralentit pas. Je lui dis de ralentir, mais non, elle s'arrête net, elle a peur. Ou elle je sais pas, elle a. Choses. Ouh là là, Bijou, dis donc. Je la calme un petit peu. Voilà. Mais je me souviens que par exemple, Tempête, quand je cours dans les cactus, il aime pas. Oui, mais elle aime pas exactement. Et puis là, j'ai beaucoup coupé. Je suis passée par des endroits un peu bizarres. Donc. Mais. Faut pas être très confiante. Bon. Mais je suis un peu trop haute. En
suite. Oui, mais je pense qu'on doit pouvoir descendre. Je pense. Comment ça se fait ? Ah, en fait, on est monté quand il fallait plus monter, c'est ça ? Ah, c'est possible ça. Je crois qu'on a exactement fait ça. Oh. Ah, ici on peut descendre là-bas après les cactus. Mais ici, le monde entier est un cactus en fait. C'est vrai, il est impossible de s'asseoir. Mm. Enfin, de s'asseoir à. Ah. Bon, bah, au moins c'est calme. Enfin, oui, Yon, en 5 minutes. C'est mort. Ça se dépeuple très vite ici. Hein. Oui, un chien. Oh. Voilà, repose-toi, bijou, repose-toi. Mais t'énerve pas, je te dis de te reposer, enfant. Bon. Ici ? Ah, vendeur d'or. Mmh. C'est ici alors. C'est pas ici. Oh, c'est lequel le. Quoi ? Ah, c'est ici. J'arrivais pas à trouver le bon comptoir. Vente. Oh, je sais plus. Peut-être j'ai su, peut-être ça. Voilà. Bon, ça y a pas assez sûr, mais je le fais au cas où. Oh, ah, je vais sortir la charrette. Ah, tu peux ici ? Ah, bah oui. Et moi, je vais aller mâcher les tickets. Hop. C'est que j'ai plein de trucs sur moi, même si en vrai je devrais un peu garder des trucs, mais pour les appâts et tout, mais bon, on fera en fonction de ce qu'on a besoin. Hein. Ah, des dents, ça je sais que j'en ai. Alors, je passe deux fois juste pour être sûr que au cas où j'en ai plusieurs. Bec, normalement j'en ai pas, mais je le fais quand même au casouzou. Bois pareil, j'en ai pas, mais je le fais. Ah, peut-être sanglier. Et si j'avais des bois de. J'ai des défenses de sanglier, j'allais dire des bois de sanglier, oui, bien sûr. Voilà. Je me suis un peu vidé les popoches, je vérifie. À chaque fois, je regarde ma map, alors que c'est pas la map que je veux regarder. Ok. Je vais déposer des trucs, je pense. Oh bah là, y'a des gens. Mon lot. Je vais peut-être arrêter la VOD et en recommencer une. Oh là là. Faut que j'aille voir mes télégrammes avant avec Joey Saloon. C'est toujours sympa quand même. Bon. C'est vrai. C'est où déjà ? Saloon. C'est là, ici. Bah d'abord, je vais regarder rapidement mon télégramme. C'est où ? Oh ! Rien. Ah, c'est derrière. Ah oui, c'est le petit bureau qui est là. Je crois. Oh, je sais plus du tout. Ah si, ça doit être ça. Bonjour monsieur. C'est pour se faire depuis le temps. Là toujours, et à tout de suite. C'est rigolo. Elle m'a pas encore répondu. Voilà, je voulais voir maintenant, et puis comme ça on va rester peut-être un petit peu... dans le coin, ça. Mais je vais, je pense, aller faire un petit pissou avant. Oula, j'ai senti mon truc. Un petit ticket. Il n'y en a plus ici. Oh, c'est terrible. Non. Oh. Ça me désole. Bon. Bah, armadillo, peut-être. Je crois qu'il y en a pas. Hein. Bah, je pense qu'il n'y a rien, oui. Elle m'a pas répondu encore, Pearl, en tout cas, donc elle est peut-être pas encore dans le coin. Ah. Bon,
Je vais repérer Pauline et puis on avise. Vas-y. Je vais faire pareil en attendant. Je la réponds pas souvent. C'est vrai ? Ah merde. Bah si on va à Armadio, on la croisera peut-être. Ou alors on demandera à Daphné de nous donner des infos. J'arrête la VOD là et puis je fais une toute petite pause pour aller aux toilettes. Au revoir VOD.